Et salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 19 de Agrarian Skies. Bon, on arrive quand même un petit peu vers la fin quand même de toute cette série. Mais il reste pas mal de choses à faire, notamment. Ce que je voudrais bien continuer, c'est un petit peu justement me protéger plutôt du warp. Comment? Du warp de Tomcraft pendant une dizaine de minutes. Donc là, ça fait 10 x 6, 60. Et pour cela, il me faut du verre que je vais passer dans le portail de Botania. Alors, pour cela, il me faut du mana glace que je traverse le portail. Et bien sûr, avec Redix, on fera le boss de Botania ensemble. Mais pour l'instant, il n'en est pas là. Du coup, de la glace, j'ai du half glace. Le half glace, je crois, ça me fait des bottles. Ah, bah, c'est parfait, il m'en fallait là. Donc, j'ai pas besoin de ce qu'il y a là. Du coup, ça me fait des speed ici. Ok. Voilà, tout ça. Donc, du coup, pour que ça me fasse 6 bottles à chaque fois. Il me faut du coup 3 netherwart, 3 salice, 3 purifiés, 3 humber. Ok. Le humber, du coup. Humber, j'en ai qu'un. Il m'en faut au moins 3. Ça, c'est clair. Clair, net, précis. Netherwart, il m'en faut 3. Hop. Il me faut du salice. Alors, le salice, je crois, j'en ai là. En tout cas, j'en ai qu'un là. Dans le sac, j'en ai deux autres, c'est parfait. Et il me faut trois purifieds. Voilà. Du humber, j'en ai dehors. Ici. Humber. J'en ai là. Est-ce que un bloc, ça me suffira? Oui, ça me suffit largement, c'est parfait. Alors, attendez 2 petites secondes. Tac. Alors, on va faire ce qu'il faut. Encore vous, mais vous êtes chiant. Hop. Il me faut mon truc à focus. Ça, je vais le garder, par exemple. Choc, je l'ai plus, choc. Attendez, je reviens. Et yep, tout le monde, et bienvenue pour la suite. En fait, moi, ça fait environ 4 heures que j'ai pas joué, tout simplement entre les deux. Du coup, on était parti faire quoi? Ah, oui, on était parti faire un petit peu le warp, mais version simple. Donc, on va continuer. Je vais armer ceci. Hop. Alors, je me suis fait bien sûr le focus qui m'intéresse, mais c'est surtout que. Là-bas, il y a une poule qui est pas là. Qui a popé là-bas. Voilà, c'est ce que je disais. On va faire justement ce qu'il faut qui va là. Donc, hop, on va faire ça. Hop, on va prendre ceci. Du coup, alors, on va mettre une bottle qui se trouve au milieu. Et on va jeter dessus les ingrédients petit à petit. Hop. Voilà, dès qu'il obtient toutes les ingrédients, ça les craft. Alors bien sûr, ça va prendre beaucoup plus de temps que des fioles normales qui se trouvent là, parce que là c'est 4 éléments, là c'est 6 éléments. Et notamment que ceci en fait, les Havdlas, c'est des manadlas qu'on trouve là-dedans quand on met la glace dedans, mais il faut le passer via le portail pour obtenir justement ces Havdlas. Alors là, tu voyais, ça prend beaucoup de temps. Donc pendant ce temps, c'est super cool. On va voir peut-être avec Redix dans cet épisode, mais je ne suis pas sûr à 100%. Ouais, en plus, on parle en même temps sur Twitter, hein, naturellement. Je lui demandais que j'ai. Bah, justement, j'étais en train de record un petit truc à gras actuellement. Et en même temps, du coup, je lui dis que si on allait comment
geeker un peu ici ou si on allait geeker un petit peu sur GregTech. Parce que GregTech, on n'a pas beaucoup de farmé depuis le temps en fait. Et ça serait bien quand même de farmer un petit peu là-bas. Du coup, c'est vachement long hein, par rapport à ce que je pensais. Du coup, ça se vide pas trop. Lui, il se remplit par lui, par lui, par lui. J'ai beaucoup de générateurs en fait. J'ai les générateurs de l'ensemble, mais j'ai des générateurs là-bas qui sont de la lave en fait. Tout simplement. Donc, du coup, ça génère tranquillement. C'est plutôt long d'ailleurs. Hein. Dommage que j'en ai pas un deuxième parce que sinon je l'aurais bien foutu dessus. Mais bon, je ne peux que faire comme ça. À moins que lui, j'arrive à le binder là. Ah ouais, ça marche. Ça marche plutôt bien et ça va plutôt rapidement d'ailleurs. Voilà, je m'en suis fait une de 6 fois 10 minutes. Donc du coup, on va continuer à faire encore justement les ingrédients. Ah bah ça va nettement plus vite à deux, hein. Franchement, ça va beaucoup plus vite. Alors, ce qui est fort dommage avec Botania, c'est qu'on peut pas mettre des sparks. Ça, c'est des sparks 1. Alors, au niveau du craft... non, c'est pas ça non plus. Au niveau des sparks, direction Botania, ça sera plus simple. Au niveau des sparks, ici, nous en sommes au spark 1, normalement. Voilà. Il y a celui-ci, mais il y a la version évoluée. Et il y a une version encore plus évoluée, qui est le Spark niveau 3, le Master. C'est des Sparks vraiment intéressants. Bon, bien sûr, il y a celui-ci, c'est du Pixie Dust. Le Pixie Dust s'obtient avec le mob, le boss. Ah d'accord, il a déjà fini. Très bien. C'est cool. Tac, 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 tac et tac. Hop, il continue. Donc ça descend plutôt bien. Du coup ici j'ai une heure de protection, 2 heures de protection et j'aurai 3 heures de protection. 3 heures in-game c'est quand même pas dégoûtant par rapport à ce qu'on veut faire. C'est surtout au niveau de la protection en fait, ce qui est très chiant. Quand on se baigne dans un petit bain c'est 25 minutes, c'est cool 25 minutes. Mais bon avec des fioles on peut obtenir 60 minutes donc du coup c'est plutôt facile pour nous. Puis vous voyez, c'est un ensemble plutôt intense et correct parce que ça mélange du Tomcraft et du Botania. Donc c'est beaucoup plus simple. Et puis aussi, il y a les baguettes de Botania qui travaillent sur les baguettes de Botania, de Tomcraft et ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt bien. Du coup, la baguette là, je vais peut-être la garder. Je vais choisir le focus là en cas de problème avec les mobs. La One Focus, je vais la foutre là, parce que je n'en ai pas besoin. Avec Redix, on va continuer un petit peu Botania, on le fera ensemble en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir de son côté également ce qu'il fait avec ça. Ce qu'il fait avec lui de son côté, avec son Rise Apply, qui est plutôt le bordel d'ailleurs, mais il s'est plutôt amélioré hein, concernant Apply, c'est qu'il se fait des petites choses sympas. Par contre là c'est un peu con parce qu'il se bouffe un channel pour rien alors que c'est juste une interface. Je trouve ça un peu con d'avoir mis une interface ici, mais bon c'est son kiff. Hein. Bon son réseau il est HS parce qu'il n'a plus d'énergie. Là c'est bien parce que c'est 4 canaux en un seul, donc c'est plutôt un bon point. Ici c'est aussi 4 canaux en un seul. C'est même 8 channels, on a un seul 2, 4, 6, 8. C'est plutôt un bon point. D'accord, j'ai gagné des points. De Ignis, Perditio, Ordo et R. C'est cool. C'est un level 4. Et il génère pas en level 4. What the fuck? Oui, il génère pas en level 4. Pourtant, il n'y a rien au-dessus. Il n'y a rien au-dessus. Ah, peut-être qu'il recharge une énergie cell. Non plus. Ouais, ça sort au-dessus, mais ça alimente rien du tout, en fait. Ouais, c'est con. Ah, peut-être qu'il envoie tout sur l'énergie, en fait. Énergie Redix. Énergie Redix, mais version envoi. Il envoie de l'énergie. Il envoie où cette, son énergie, par contre.
Il envoie où son énergie, par contre? Ah, peut-être qu'il envoie là-dessus, en fait. Il y a pas un Tesseract dans le coin ici? S'il envoie sur son réseau principal là, c'est un peu con. Énergie 11 reçue. Ok, c'est tout pour les machines. Ah, c'est dommage. C'est un peu dommage d'avoir fait ça. Surtout s'il en a un deuxième par là. C'est un Solar 4. Mais le Solar 4, en fait, il l'alimente lui. Il l'alimente lui. C'est un peu con d'avoir fait ça monter. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, du coup, nous, on va continuer un petit peu nos réseaux. Pas se mettre dans le faisceau, bah, ça va faire très mal. On va faire nos. Un autre petit système avec ça. Il y a un système que je voudrais bien faire. Du coup, c'est plus Botania, c'est un autre truc avec Applied. C'est que, par exemple, j'ai besoin de canne à sucre, de papier, ce genre de choses. C'est plutôt intéressant. Et j'en ai marre d'aller chercher de la canne à sucre là-bas. Canne. Ou du cactus, par exemple. Le cactus, je m'en sers beaucoup pour le colorant. Et du coup, bah, on va faire un petit réseau secondaire, mais en même temps qui s'applique. Comment? Sur justement. Ouais, c'est beau comme ça. Qui s'applique dans le réseau là. En fait, ce que je veux faire, c'est que. C'est un tout petit réseau qui permet de récupérer soit du cactus, soit de la canne à sucre. Donc, ça, c'est un bon point. Mais également, c'est que. On peut l'injecter. L'injecter entre parenthèses, le récupérer via cette applied là. Alors, du coup. Je vais faire tous les crafts que j'ai besoin et du coup on se retrouve pour commencer un petit peu le projet. Alors on se retrouve ici parce que bah, j'ai pas fini de prendre tous les crafts actuellement mais j'ai envie de le faire avec vous. Tout simplement c'est que j'ai envie de le faire avec vous. Ça on va le récupérer. Hop, on va scanner ceci. Parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. On a scanné, on n'a pas scanné ça. Voilà, ça nous permet également de scanner ce qu'on veut en fait, tout simplement. L'armure Tomcraft me permet d'avoir quand même pas mal de choses. On va bouffer ça. Voilà, avant qu'on ait un problème. Donc 10 minutes de stock, c'est parfait. On a ça, on a ça. Il nous faudrait du coup actuellement des storage. Des storage. Voilà, DME Storage Bus, il m'en faudrait 4. Alors pourquoi 4? Parce que tout simplement, on va faire en sorte que il y en ait 2 qui permettent de stocker dans des barrels, dans des coffres, ce genre de choses. Donc barrel c'est bien. Faudrait que je recrafte des barrels. Je crois que c'est des oak. Des chests. On va prendre 2 chests du coup. Voilà. Du oak, c'est parfait. Et la planche, voilà. On a du coup, on a ceci. Ça, c'est cool. Est-ce que je les tente en craft auto? Si je les fais en craft auto, il faut que je fasse 2 crafts. Donc, non. Même 3 crafts. Non, il y a les bûches, donc c'est bon. Ça, c'est les lampes. C'est parfait. Du coup, on retourne au-dessus. On va le mettre sur ce réseau-là. Alors, pourquoi ce réseau-là? C'est tout simplement qu'en dessous, actuellement, ici, il y a 27 canaux. 27 canaux, c'est suffisant. C'est largement suffisant. Ce qu'on va faire, sachant que ça peut aller jusqu'à 8 channels ici, ça en fait 2, ça en fait 4, ça en fait 5. Ça fait 5 channels. 5 canaux. 5 channels. Et ça en fait 5 également. On va faire un glass fiber aussi pour l'énergie. Quartz fiber. Tiens, je vais prendre ce qu'il faut. Glass stone brick. Il faudrait des briques. J'en ai pas assez par contre des briques. On va en faire 100 d'avance. Hop. Ok. Très bien, c'est déjà fini. C'est déjà largement fini, c'est parfait. Ah, c'est rapide. Ah, c'est des slabs en plus. Ici, c'est des slabs que j'ai mis. Eh ben, faisons des slabs, hein, du coup.
Hop. Voilà. Puis en plus, les slabs, c'est bien, c'est économique. Du coup, on va faire juste un petit côté tranquillement. Alors, pourquoi je fais ça? Bah, en fait, j'ai besoin de canne à sucre, comme je l'avais dit. Et j'ai besoin de cactus. Le cactus, c'est surtout le côté colorant qui m'attire. Alors, on pourrait faire le cactus version comme Reddick, ça veut dire les plantes. Les plantes qui se trouvent là-bas derrière sa maison. Il a fait des plantes à cactus. Sauf que moi, bah, j'ai envie de faire autre chose que des plantes à cactus. J'ai envie vraiment que ça soit automatisé. On pourrait le faire via un harvester, tout le tralala. Mais c'est plutôt chiant en fait. Du coup, au niveau du pitié, il en faut 3 et 3, 6. C'est un peu moche entre les stone slabs. Tac, 6, donc des slabs en stone. Des slabs en stone, donc il m'en faudrait ça. Faudrait le pilier. Parce que le pilier est comme ça. Donc là, ça voudrait dire qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, le pilier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le pilier. Hop là. Voilà. C'est-à-dire que là. Voilà, on va dire qu'ici, en fait, il y a l'accès qui nous permet justement d'avoir ce qu'il faut. Il me faut une petite lumière. Voilà, hop, ça me suffit. C'est parfait, c'est une petite lumière histoire de que ça pop pas actuellement ici. Bah ça, c'est cool, je vais le laisser. J'ai un câble qui va là, c'est parfait. Putain, il y a vraiment tout qui va bien en fait, hein. Toi tu vas là-dedans. On va. Alors là-haut c'est du. C'est quoi? C'est des stone brick standard? Ouais, c'est des stone brick standard. Ok. Putain, c'est très moche comme ça. En plus, il y a 8 sauts de lave là-dedans, c'est bien. Du coup, alors. Faudrait des danses. Pour danser. Lol. Donc des câbles. Il me faudrait une dizaine, tiens, une dizaine de câbles. Donc ça craft tout, c'est plutôt rapide. L'épure, c'est en stock. Putain, c'est beau comme c'est rapide, hein. Ouais, il craft l'épure actuellement, ok. Bon, j'ai déjà 8 câbles denses, ça me suffit pour l'instant, je pense. Oh oui, largement même. Je vais continuer. Voilà, jusque-là, ça fait le câble standard complet jusqu'au bout, c'est bien. Du coup, ici, on va faire en sorte que, bah, en fait, il n'y a pas besoin de ça, sachant qu'on va utiliser un quartz fiber. Ça permet l'alimentation générale. Il faut deux storage. Donc on va les foutre. On va en foutre un ici, tiens. Même deux. Alors c'est très moche comme ça, donc du coup moi j'utilise des câbles de séparation. Voilà. On va faire comme ceci. Donc ça va relier directement via deux canaux supplémentaires. Donc deux canaux là-bas, ça fait 29 sur 32. Je veux toujours en laisser un supplémentaire, le canot, pour éviter éventuellement des petits problèmes par-dessus. Alors là, je suis en train de me demander une petite question. Pour la canne à sucre, est-ce que la canne à sucre pousserait? Oui, ça va, elle pousse. Ça va, parce qu'il y a certaines versions avec Agrarian qui fait que. On ne peut pas mettre de la canne à sucre au sol directement. On est obligé de passer par des crops. Donc c'est plutôt un bon point là. Ça veut dire qu'on peut faire les deux. Du coup, ici, je dis que c'est de la canne à sucre et c'est une priorité de 10 du cactus. Et là, c'est de la canne à sucre avec une priorité de 10 également. Hop. Donc, du coup, là, c'est tout ce qui rentre et tout ce qui sort de ces barrels. Seront, je dis bien seront, cactus ou canne à sucre.
Tac, pouf, je verrouille, je verrouille. Voilà, donc ça veut dire même s'il n'y en a plus, il y a toujours la limitation dedans comme quoi c'est de la canne à sucre. Donc ça, c'est un bon point. Maintenant, une fois que nous avons fait ça, on va faire en sorte que, par exemple, ceci soit relié via un réseau indépendant, complètement indépendant en fait. Donc on va le connecter là. Donc là, c'est Quartz Fiber, c'est que l'énergie qui passe, l'énergie électrique. On refout un autre câble, donc du coup, on va scotcher là-haut. On va scotcher pour éviter que ça passe. Là, le réseau, il est connecté comme ceci. On va le passer en dessous. On va également repasser en dessous pour dire que tac et tac. Voilà, on attend. Là, normalement, il doit s'afficher. S'affiche pas parce que je crois qu'il n'y en a plus dedans. Voilà. Priorité de 10 également. Hop, également là-haut. Priorité au cactus. Priorité 10. Voilà. Une fois que ça c'est bon, c'est fait. On reconnecte directement via des câbles. On le connecte là-dedans. Ça utilise que deux canaux. Pourquoi? Parce que c'est de l'énergie qui passe. Et ici, ça utilise toujours les deux canaux. Ça n'en utilise pas quatre. Voilà. Donc, du coup, c'est que l'énergie qui passe. Ici, on peut mettre ceci. Donc, vous voyez, on peut mettre beaucoup de canaux là actuellement. Il y a trois canaux sur ce câble-là directement parce qu'il y a juste un câble électrique. Donc, il faut bien penser à tout. Et du coup, par la suite, ce qu'on pourrait faire éventuellement, 1, 2. Alors, ça serait un câble ici, un câble là. Ouais, ça peut être sympa. J'essaie de voir au plus pratique. Vraiment au plus pratique ce qu'on pourrait faire. Déjà, on va péter ça. On va prendre le câble là, parce que j'en ai besoin. Ça, on va le mettre plus tard. Pourquoi le mettre plus tard? Pour l'instant, parce que j'en ai pas besoin. Quoique, je pourrais le mettre éventuellement ici. Hop. Voilà. Ici, en fait, il est relié à rien. Il faudrait qu'il soit relié ici. Pour qu'il soit relié correctement, sans bavure. Déjà, on va mettre tous les câbles éventuellement. On va mettre des annihilation plate ici et ici. Voilà. Donc là, on utilise trois canaux parce qu'il y a ceci sur la même rangée. On va faire en sorte que là, plus là, il y ait quelque chose et ici également. Donc, hop. Donc c'est une stone brick standard. Hop, on la pète, tout simplement. On peut même la mettre par-dessus. Tac. Et tac, donc waouh, c'est super beau, c'est classe. Ça peut pas prêt de spawner parce que c'est des slabs à l'envers, donc du coup c'est tranquille. Ça, on n'en a plus besoin, éventuellement on peut le rejeter là-dedans. On va en remettre de là. Voilà. Comment faire des réseaux indépendants en fait? Sur le même réseau central, on peut vraiment mettre d'autres réseaux. Et du coup, maintenant que nous avons fait ça. Il nous faut un bucket. Je vais remettre un autre terminal ici, je pense. Un crafting terminal, peut-être. Un crafting terminal. Ouais, je vais mettre un crafting terminal ici. Parce que ça va même utiliser un réseau, mais en même temps, ça évitera de courir de droite à gauche pour éventuellement faire un seul truc. J'attends juste que ça craft, hein, parce que j'en ai besoin. C'est quand tu veux que tu veux craft. Vas-y, craft-moi-en encore un, s'il te plaît. Voilà. Il m'en a crafté un. Je veux un bucket. Un bucket pourquoi? Un bucket d'eau. Non, referme pas moi le. Voilà, on a de l'eau ici, donc autant le servir. Hop. On va le connecter là. Waouh, c'est super classe. On a accès à tout. C'est parfait. Au niveau des channels là-bas, nous en sommes à 30 sur 32. C'est parfait également. Si j'avais rajouté ça, on serait full. Mais comme il y en a deux en dessous, bah, on serait encore full si on était connecté sur le même réseau.
sans ça en fait. Mais du coup, j'ai laissé ça. Du coup, il me faut 2 de sable. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut servir directement via les barrels. 2 sables. De l'eau. Important l'eau, hein, naturellement. On va prendre la baguette et on va utiliser ceci. Voilà. La petite baguette qui va bien. On va faire en sorte de prendre un cactus et une canne à sucre. Hop, on peut pousser et on peut poser. Voilà. Et après, tout simplement, c'est que là, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'accès. Je voudrais bien avoir un accès. Il me faudrait d'autres smart. Cable. Il en faudrait 3. Moi, ça me fait des 8 de toute façon. Voilà, je colle ça, 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 ça. Ça, je peux foutre ça également là. Et pour que ça aille directement via le réseau que je veux, il faudrait que... Ouais, ça, je m'en doutais un peu. Là, ça veut pas parce qu'il y a ça de côté. C'est ça qui m'embête en fait. C'est que c'est relié directement comme ça. Comment je pourrais faire éventuellement pour que ça passe l'autre côté? Bah, tout simplement. C'est qu'on va faire ça autrement. Pour que lui reste quand même là. On va foutre ça comme ça. Cactus, level 10. Canne à sucre, level 10. Voilà. Et pour éviter que ça aille dessus, sur ce canot-là, on va déjà passer deux comme ça. Il nous faudrait un câble. Prendre deux par sécurité. Tac. Ouais, forcément ça va pas. Donc ça se connecte pas. Ça se connecte. Bon, c'est très moche, hein, faut dire ce qui est. C'est très moche, mais disons que c'est utilisable. Et du coup, dès que la canne à sucre sera poussée, pouf, ça sera aspiré par ceci. Donc on peut faire l'exemple. Hop. Voilà, c'est automatiquement aspiré. Alors, vous voyez, on va 0. 1, 2, 3. Voilà, là il y a 3 cannes à sucre. Et ici, en canne à sucre, on en a 3. Quand on les retire, on les met là. Quand on les remet, et ça ne repart pas. Pourquoi ça ne repart pas? Ah oui, très bien. C'est tout simplement, ici c'est canne à sucre. Voilà. Et ici, c'est cactus. Voilà, j'avais juste inversé les choses. Donc du coup, canne à sucre, on retire en un, hop, on remet, il y en a 3. Voilà. Canne à sucre, cactus, c'est pareil. Ici, il y en a un. Donc là, il y en a 0. Quand on remet, ça en met un. Voilà. Comment on fait facilement un réseau qui peut capturer des choses sans pour autant encombrer le réseau de canaux. Donc vous voyez, c'est tout simple, c'est vraiment tout simple. Et je ne sais pas si on peut bonne mille. Bonne mille. La canne à sucre. Non. On peut pas. Dommage, ça aurait été tellement OP. Mais en tout cas, c'est super pratique. Et du coup, la lampe là, ça permet d'alimenter tout ça. Donc ça va pousser. Et une fois que c'est poussé, ça va avaler tout ce qu'il y a dessus. Alors éventuellement, on n'est pas obligé, par exemple, de mettre... Comment? On n'est pas obligé de mettre ceci ici, sachant qu'on a les réseaux là. Mais pour moi, je trouve ça super cool d'avoir ça en fait. On peut savoir vraiment le chiffre exact quand vous avez un terminal juste au-dessus. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Donc c'était pour un peu d'Applied. Donc c'est vraiment sympa. Après, du Botania pour la protection, on a du. On a justement du applied correctement. Donc du coup voilà, dès que ça va bouger, pouf c'est aspiré, pouf c'est dans les barrels, hop tranquille. Et ça ne prend pas de place grâce à ça, c'est juste de l'énergie. Sur ce, bisous tout le monde, à la prochaine, c'était EP pour du applied, ciao.